Dévotion de la méditation des 15 douleurs et souffrances secrètes de Jésus-Christ. Information. C'est dans la nuit précédant la Passion que notre Seigneur Jésus a communiqué verbalement à la pieuse et très aimante Sœur Marie Magdalena de l'ordre de Sainte-Claire, qui vivait à Rome en grande sainteté. Jésus exauça le désir de cette sœur qui désirait connaître ses souffrances secrètes en lui apparaissant et en lui révélant des souffrances inconnues qu'il avait endurées dans la nuit précédant sa mort. Le Christ lui dit « Les Juifs me considéraient comme l'homme le plus dangereux de leur temps et me traitèrent ainsi. Ils m'ont lié les pieds avec une corde pour me traîner en bas d'un escalier de pierre et me jeter dans une cave puante et remplie d'immondices. Ils m'ont ôté mes vêtements et m'ont percé le corps avec des pointes de fer acérées. Ils m'ont attaché une corde autour du corps et m'ont traîné sur le sol d'un mur à l'autre. Ils m'ont suspendu à une poutre par un nœud coulant jusqu'à ce que je glisse et tombe sur le sol. Brisé par cette torture, j'ai versé des larmes de sang. Ils m'ont attaché à un montant pour me percer le corps avec différentes armes. Ils m'ont lancé des pierres et brûlé avec des charbons ardents et des torches. Ils m'ont percé avec des haleines, lacéré avec des lances pointues et ils ont déchiré la peau, la chair et les veines de mon corps. Ils m'ont attaché à une colonne pour me faire tenir nu-pied sur une plaque de métal incandescent. Ils m'ont mis une couronne de fer et bandé les yeux avec un linge d'une saleté repoussante. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise garnie de clous pointus qui entraient profondément dans ma chair. Ils ont versé du plomb et de la résine liquide dans mes plaies et, après cette torture, ils m'ont écrasé sur la chaise afin que les clous pénètrent plus profondément dans ma chair. Pour ma honte et mon supplice, ils ont enfoncé des aiguilles dans les plaies ouvertes de ma barbe arrachée. Ils m'ont lié les mains dans le dos et m'ont poussé hors de la prison en me frappant à coups de verge. Ils m'ont jeté sur une croix et ligoté si serré que je ne pouvais plus respirer. Ils m'ont frappé à la tête alors que je gisais sur le sol et l'un d'eux, appuyant son pied sur ma poitrine, m'a enfoncé une épine de ma couronne à travers la langue. Ils m'ont versé dans la bouche les pires excréments en me lançant les injures les plus infâmes. Après lui avoir révélé les 15 douleurs secrètes, Jésus poursuivait. « Ma chère fille, je te demande de faire connaître mes 15 souffrances et douleurs secrètes à beaucoup d'âmes, afin qu'elles soient contemplées et honorées. » Au jour du dernier jugement, j'accorderai l'éternité bienheureuse à ceux qui, par amour et avec recueillement, m'offriront chaque jour une de mes souffrances et en accomplissant pieusement la prière suivante. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est ma volonté irrévocable de vous honorer, de vous louer et de vous adorer, à travers vos 15 souffrances secrètes et l'effusion de votre sang. Cette dévotion a été approuvée et recommandée par le pape Clément XII. Dévotion. Première douleur secrète. Ils m'ont lié les pieds avec une corde pour me traîner en bas d'un escalier de pierre et me jeter dans une cave puante et remplie d'immondices. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois
qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deuxième douleur secrète. Ils m'ont ôté mes vêtements et m'ont percé le corps avec des pointes de fer acérées. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son Sacré-Cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie.
Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Troisième douleur secrète. Ils m'ont attaché une corde autour du corps et m'ont traîné sur le sol d'un mur à l'autre. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Quatrième douleur secrète. Brisée par cette torture, j'ai versé des larmes de sang. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cinquième douleur secrète. Ils m'ont attaché à un montant pour me percer le corps avec différentes armes. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté
de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Sixième douleur secrète. Ils m'ont lancé des pierres et brûlé avec des charbons ardents et des torches. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles.
Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Septième douleur secrète. Ils m'ont percé avec des haleines, lacéré avec des lances pointues, et ils ont déchiré la peau, la chair et les veines de mon corps. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel
est de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque, et encore moins par le malin. Amen. Réciter un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Huitième douleur secrète. Ils m'ont attaché à une colonne pour me faire tenir nu-pied sur une plaque de métal incandescent. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Réciter un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedictatu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Neuvième douleur secrète. Ils m'ont mis une couronne de fer et bandé les yeux avec un linge d'une saleté repoussante. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Réciter un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dixième douleur secrète. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise garnie de clous pointus qui entraient profondément dans ma chair. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang,
le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les neuf cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés. Autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Onzième douleur secrète. Ils ont versé du plomb et de la résine liquide dans mes plaies, et, après cette torture, ils m'ont écrasé sur la chaise afin que les clous pénètrent plus profondément dans ma chair. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les neuf cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés. Autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation
pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Douzième douleur secrète. Pour ma honte et mon supplice, ils ont enfoncé des aiguilles dans les plaies ouvertes de ma barbe arrachée. Ils m'ont lié les mains dans le dos et m'ont poussé hors de la prison en me frappant à coups de verge. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque
et encore moins par le malin. Amen. Réciter un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 13e douleur secrète. Ils m'ont jeté sur une croix et ligoté si serré que je ne pouvais plus respirer. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Réciter un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tuum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. 14e douleur secrète. Ils m'ont frappé à la tête alors que je gisais sur le sol, et l'un d'eux, appuyant son pied sur ma poitrine, m'a enfoncé une épine de ma couronne à travers la langue. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir, corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Réciter un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ils m'ont versé dans la bouche les pires excréments en me lançant les injures les plus infâmes. Prière. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe,
le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les neuf cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints, soient bénis, loués et glorifiés. Autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, par moi et tous les êtres humains, désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation pour tous les outrages à votre égard, et vous appartenir corps, âme et cœur. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation au Père éternel pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mon profond désir au ciel et de ne pas permettre qu'il soit anéanti par quiconque et encore moins par le malin. Amen. Récitez un Pater Noster, un Ave Maria et un Gloria Patri. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Quia tum est regnum, et potentia, et gloria in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.